Chris Gamer aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc la présentation de la Sono de mon cousin. Donc il possède le pack Boost AMP300, donc le même que moi sauf que lui en marque Boost. Donc nous avons ici deux enceintes Boost Star 10, donc qui sont des enceintes en 500 watts max, donc très bonnes enceintes pour commencer. Nous avons ici une table de mixage Newmark M4. Donc également une très bonne table de mixage aussi pour commencer. Ensuite, nous avons donc la table de mixage qui est ici, son ordinateur, une table de mixage Scott qui fonctionne avec le logiciel MixVibe, une très bonne table de mixage également. Compris dans son pack, donc il avait la Boost Mix 800, la même que moi, sauf que je l'avais en Ibiza. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer au jeu de lumière. Je m'excuse, je ne m'attarde pas trop, je vais assez vite parce qu'on a très peu de temps et il faut qu'on puisse procéder à un test. Donc nous avons un laser Ibiza, donc qui est un Ibiza 60G, si je ne me trompe pas, vous le voyez c'est écrit devant. Donc qui est un jeu de lumière, un laser qui fonctionne en DMX, comme vous voyez ici, ou alors il peut fonctionner en manuel. Ensuite nous avons un Shotek Pinball à LED, donc qui est un très bon jeu de lumière en métal, celui-ci également. Qui est un très bon jeu de lumière pour les slow, parce qu'il ne va pas très vite, mais c'est un bon jeu de lumière quand même. Nous avons ici un JB System Thunderbird, donc le jeu de lumière qui est assez vieux mais qui fonctionne très très bien. Nous avons un Boonton DJ, donc un strobe LED. Nous avons un Cool Light Cable Moonflower et un Boonton DJ Tree Flower. Ensuite, donc ce n'est pas tout, nous avons également une machine à fumer qui se trouve en bas, qui est une Boonton DJ x400. Donc voilà, elle crache très bien pour une machine à fumer pour commencer. Donc on va procéder à un petit test, je vais te demander combien de temps on en est. Bah tu peux me le dire. Deux minutes. Deux minutes, donc on va pouvoir procéder à un test. Je vais fermer les volets et on va faire le test. Je ne vais pas pouvoir vous faire de test au niveau du laser parce qu'il a un petit souci. Il reste en fixe, donc je ne sais pas d'où est le problème. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter, donc je vous le refaire avoir après. Voilà, on va allumer la lumière. Donc les portiques, donc qui sont des portiques Ibiza Trustlight 900. Donc voilà, c'était le petit truc en plus. Donc allez, on va envoyer un petit peu de musique. Donc pour un test de son de basse pour ce pack, je vous conseille d'aller sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez les retrouver. Ah oui, par contre, j'ai oublié de préciser, il y a trois petits jeux de lumière que je n'ai pas pensé à vous donner les références. Je vous les donnerai après. On va les montrer là. On va y aller. Donc nous avons ici un Ibiza UFO Astro Ball. Donc très petit jeu de lumière, très petit prix, mais les effets sont magnifiques. Nous avons un mini laser, donc c'est un, alors attendez, c'est un Ghost Pro, et nous avons ici un petit jeu de lumière qui fait des effets à 6 lumières, donc qui est un très bon jeu de lumière également. Donc il y a quelques jeux de lumière comme le mini laser et puis le jeu de lumière avec les six lampes dont je ne vais pas avoir besoin de vous le présenter, que vous connaissez, c'est très très connu comme jeu de lumière et vous le voyez actuellement allumé. Alors on y va en bancard. Où il est. Attendez, il me manque une lampe. Ah, je crois que c'est ça. Voilà. Donc le petit jeu de lumière qu'il faut. Voilà les effets qu'il fait. Il fait vraiment des beaux effets. Hein. Et de la fumée, c'est encore mieux. Je ne vais pas en mettre de trop. Voilà. Donc vous voyez déjà, je ne sais pas si vous voyez les faisceaux. Donc vous voyez qu'il fait des effets vraiment dans toute la pièce. Donc je vais te demander de faire une rotation pour voir tous les jeux de lumière. De venir derrière avec moi. Moi, je suis bien placé là. Donc, en premier, voilà, donc, le Triflower. On va mettre un peu de son pour qu'il puisse bouger. Nous avons le laser, donc comme vous voyez qui reste en point fixe, il a un petit souci.
souci, on ne sait pas ce qu'il a. On n'arrive pas à le régler. Alors, si avec un coup de chance, si vous nous portez chance, il va peut-être partir. On va essayer. Il n'a pas l'air. Allez, allez. Ah, non, il ne veut pas. Non, voilà. Donc, en fait, c'est un laser qui fait beaucoup d'effets. J'essaierai, dès qu'il sera réparé, de vous faire une vidéo avec Julien. Donc, ensuite, nous avons ici le cool light. Donc, le câble. Donc, je vais monter un peu le son et vous voyez voir ce qu'il fait. Pour le cool light, ensuite nous avons, alors celui-ci commence un petit peu à me saouler. Avons le JB System. Donc il faut savoir que c'est un jeu de lumière, qui fonctionne avec des miroirs. Donc j'adore les effets miroirs. Donc on va mettre un peu de son, vous allez voir ce qu'il donne. Ah oui, de la fumée, bien vu. Allez, on envoie. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire, on fera un test avec tous les jeux de lumière et de la fumée après. Ensuite, nous avons le stroboscope. Alors celui-ci, je peux vous dire qu'il défonce les yeux. Il coûte pas très cher, mais il a des bons effets. Avec de la fumée, c'est tout simplement excellent. Ensuite, nous avons le pinball. Donc voilà les amis, on vient de vous faire un test. Donc jeu de lumière par jeu de lumière. Maintenant on va vous faire un test. Non, ça sert à rien de rallumer. Donc la cire allume. On va leur montrer un peu la machine à fumer. Donc voilà, comme vous voyez, on est en train d'enfumer la pièce. Et on va vous faire un test avec la totalité des jeux de lumière allumés, de devant ainsi que de derrière. Donc, on va pouvoir éteindre la lumière. Donc, je viens de demander d'aller éteindre. On va pousser à allumer tous les jeux de lumière. Hop. Allez, on est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, les effets sont tout simplement magnifiques. Venez voir de devant. Donc voilà. Erreur les amis. Regardez bien celui-ci. Et voilà les amis, c'était DJ Donix Gamer et...